Bon allez, présente-toi. Bon, salut les amis, moi vous me connaissez, donc est-ce que je me présente pour ta chaîne? Peut-être, ouais, exact. Qui n'existe pas encore d'ailleurs. Bah on explique directement peut-être. Ouais, alors juste pour dire que déjà je suis content de vous faire cette vidéo en espace ouvert. Et puis c'est un format que j'ai eu fait un peu par le passé, mais là on va en faire de plus en plus. Je vous présente Anthony Vuitt. Enchanté, monsieur, madame. Je me souviens enfin de ouais, ton prénom. Ça fait plaisir à part ça après 3 ans. Voilà. Merci. Et donc on collabore sur pas mal de choses. D'ailleurs, vous l'avez vu dans une des vidéos sur la Brain Company. Ouais, exact. Je sais pas s'il y en avait d'autres, mais en tout cas, ouais, celle-ci, j'étais dessus. Exact. Et donc, on a pris l'habitude de collaborer sur pas mal de projets. Et là, on avait envie de starter une petite collaboration entre les deux chaînes YouTube. La mienne sur laquelle vous êtes en train de voir cette vidéo, naturellement. Et puis, la tienne qui n'existe pas encore, mais qui va démarrer tout soudain, qui sera une chaîne de vlog. Exact. Le concept, finalement, enfin, le but, c'est vraiment de partager un tout petit peu ce que je fais dans ma vie en général, ce qui me plaît, mes passions, mes idées que j'ai pu partager finalement ça avec vous également. Puis c'est de créer une sorte de communauté finalement autour du monde en général. Peu importe le sujet, ça va être un petit peu de tout. Du vlog, on va faire des choses qui nous plaisent et partager ça avec tout le monde. Puis on verra bien. Voilà, donc à savoir que on n'est pas à notre première collaboration en termes de chaîne YouTube puisqu'on en a lancé d'autres. On va pas forcément dire lesquelles, etc. parce que c'est pas le sujet aujourd'hui. Mais en tout cas, sachez qu'on va travailler en mode collaboratif les deux, c'est-à-dire qu'on va produire des contenus. Et après, un des principes qu'on va utiliser, c'est qu'on n'a pas une nouvelle chaîne en commun. Et en fait, on aura deux chaînes sur lesquelles on va éditer de manière différente un peu les contenus. Et on verra bien ce que ça donne. Exact. Peut-être que le concept va plaire. On a déjà pas mal d'idées en rapport avec les challenges aussi autres. Donc en espérant que ça pourrait être un sorte de format vidéo vraiment agréable. Parce qu'il y aura d'un côté dans une chaîne où ça va être... Ça sera fait d'une certaine façon l'editing, et de l'autre côté ce sera peut-être complètement différent, peut-être aussi beaucoup plus agréable aussi de le voir. Alors lui est plus fort en sport par exemple, si vous regardez un peu comme il est dessiné là, le mec, ça a l'air de rien, il a l'air un peu gringalé comme ça, mais en fait c'est un monstre. C'est pour ça qu'il porte un t-shirt, c'est pour pas qu'on voit la structure en fait musculaire du mec. Ou est-ce que c'est pour cacher? Parce que, alors, parce qu'en fait j'ai presque la même couleur que ton t-shirt là, non? Bon. T'es déjà en train de me saouler, on a même pas terminé la première vidéo. Je vous remercie d'avoir regardé ce contenu. N'oubliez pas de mettre des petits... Bah ouais. Ah ouais, t'es sympa toi avec ton public. Bah tu voulais que je raconte quoi? Ah ouais, super ton vlogging. Hein. Ah bah, vous inquiétez pas. Mon côté, venez sur ma chaîne. Vous allez pas avoir quelqu'un où à la fin c'est bon, bah passez une bonne journée, au revoir. Ok, bah on arrête là. Abonnez-vous, mettez plein de pouces bleus, etc. Voilà. Le jargon habituel quoi. Non, non. Monsieur Greg, on va faire quoi? Tu vois, je viens de te poser la question, mais tu m'as déjà répondu, mais j'aimerais que tu le redises à la caméra. On va aller prendre un petit café puisqu'on n'a rien à faire d'autre dans la journée. Voilà, j'adore cette phrase. Ouais.